Bonjour Olivier, sommelier chez Au Château à Paris. On va parler aujourd'hui des grands cépages. Hein. Alors qu'est-ce que c'est qu'un cépage? C'est un type de raisin. Un type de raisin, qu'est-ce que ça veut dire? J'aime bien faire le parallèle avec les pommes. Hein. Les pommes, on a l'habitude de manger des Granny Smith, des Reine des Reinettes, donc des pommes vertes, jaunes, rouges, voilà, toutes sortes de pommes. Et chaque pomme vient avec des arômes qui lui sont spécifiques, un goût qui lui est spécifique, une acidité qui lui est spécifique. Le raisin, c'est exactement la même chose. Les différentes sortes de raisins s'appellent donc les cépages. Voilà. À l'échelle mondiale, on a répertorié plus de 9 500. C'est énorme. Alors tous ne sont pas bien sûr propres à faire du vin, à être vinifiés. Ceux qu'ils sont ne font pas forcément tous des bons vins. Donc voilà. Donc à l'échelle mondiale, il y a quelques cépages, dit les cépages nobles, qui se sont imposés, notamment dans tous ces vins du Nouveau Monde où on raisonne en termes de cépages. Hein. On va acheter un Chardonnay, un Merlot, un Grenache. Donc tout ça, c'est des cépages. Donc il est peut-être utile d'avoir quelques idées très rapides sur, mettons, on va parler de 8 grands cépages qu'on va retrouver dans tous ces vins du Nouveau Monde. Et puis de plus en plus, on va trouver maintenant dans les supermarchés en France des vins des vins cépages, des vins monocépages. Donc c'est intéressant d'avoir ces petites grilles de lecture, vraiment une petite boîte à outils hyper simple, mais pour avoir quelques éléments auxquels vous raccrocher. Les vins blancs, alors mettons 4 grands cépages blancs. Le Sauvignon blanc, qui est le cépage qu'on retrouvait par exemple en France en Sancerre, en Pouilly-Fumé, Mentoux-Salon. Donc c'est les cépages pleins d'agrumes, très très frais, très agréables. On peut boire en apéritif, sur des poissons grillés, sur des Saint-Jacques, des choses comme ça. Ça passe tout seul. Sur la même gamme de vins plutôt sur l'agrume, sur le fruit, le Pinot Gris, hein, qui s'appelle Pinot Grigio en Italie. Donc Pinot Grigio dans tous les vins américains, les vins du Nouveau Monde, qui valent vraiment la peine, toujours sur cette légèreté. On a le trouve aussi en Alsace, hein, le Pinot Gris, parfois avec un petit peu plus de sucre. Et c'est ce qu'on appelle aussi le Tokaj, sur les vins hongrois, Tokaj, Pinot Gris, même chose. On peut parler aussi du Chardonnay. Le Chardonnay, c'est le grand cépage de Bourgogne. Donc des vins, les Meursault, les Chablis, les Montrachet, les Mâcon, les choses comme ça. Tout ça, c'est le cépage dit Chardonnay, qui est un cépage qui va avoir un petit peu plus de concentration, de corps, des arômes plus sur la crème, sur le beurre, sur la banane, la mangue, des choses comme ça, un peu plus. Donc ça, idéal sur un poisson en sauce, sur même des viandes blanches, très très agréable. On peut parler du Riesling, hein. Riesling qu'on retrouve beaucoup en Alsace, qu'on retrouve en Allemagne, qu'on retrouve au Canada, qu'on retrouve en Suisse, des pays comme ça. Alors l'Alsace, d'ailleurs, qui est, de par son origine, enfin son histoire, disons-nous, a de fortes influences allemandes, donc on raisonne en termes de cépage en Alsace, c'est le seul pays, c'est la seule région viticole française où c'est le cas. Donc le Riesling, c'est quelque chose qui est très très propre à se marier avec la nourriture. On a beaucoup d'agrumes, on a beaucoup de fleurs, un petit peu de minéralité. Alors c'est un cépage, hein. Souvent on dit Riesling, c'est plutôt des vins liquoreux. Hein. Alors si on les vendange tôt, on a moins de sucre, donc on aura un Riesling dit sec. Plus tard, un Riesling plus liquoreux, plus moelleux. Mais on peut vraiment avoir toute la gamme. Riesling, vraiment un cépage à redécouvrir parce que qui a un petit peu mauvaise presse, mais qui est très qualitatif quand c'est bien fait. Voilà. Alors pour les rouges, on peut partir sur les rouges plus légers, type Gamay, le cépage du Beaujolais extrêmement léger, le Pinot Noir qui va nous rappeler des arômes, alors toujours de fruits rouges un peu comme le Gamay, mais avec un peu plus de concentration de fraises, de framboises, de truffes, côté un petit peu terre, très bien fait, des tanins assez légers. Voilà, qu'on va retrouver dans les Pommards, les vins comme ça, tous les rouges de Bourgogne, les Claude Vougeot, par exemple. On retrouve aussi dans le Nouveau Monde, en Oregon, Washington State, aux États-Unis, en Nouvelle-Zélande. On peut s'attaquer au Merlot. Merlot, qui est un cépage plein, robuste, puissant, des fruits noirs, des baies, des mûres, du tabac, des choses comme ça. Mais avec des tanins très très fins. Donc, si vous voulez de la concentration, mais pas trop d'agressivité, le merlot c'est top. Le merlot qui va fréquemment être rassemblé, donc mélangé, avec le cabernet sauvignon. Ce qui se complémente bien, dans la mesure où le cabernet sauvignon c'est vraiment la puissance. Hein, c'est des peaux du raisin très épaisse, donc plus de tanins, donc une belle capacité de vieillissement, une vraie concentration des fruits noirs, avec une palette aromatique assez large. Et puis, on peut aussi parler globalement, mettons du Syrah, la Syrah qu'on appelle Shiraz dans l'hémisphère sud, hein, que vous avez retrouvé beaucoup en Australie. Alors, c'est deux expressions assez différentes. La Syrah, donc nord de la vallée du Rhône, qui va être vraiment le cépage de base pour des côtes rôties, des Crozes-Hermitage, des Hermitages, des Saint-Joseph, des choses comme ça.
plutôt sur le fruit, la volupté, la sensualité, un petit peu de cuir, des choses comme ça. Et à mesure qu'on va descendre dans l'hémisphère sud, en Australie par exemple, là vraiment la puissance, le côté un peu in your face, un peu plus masculin. Donc voilà. 8 grands cépages parmi plus de 9500. Donc c'est vraiment l'idée, c'est que vous arrivez au restaurant, si c'est organisé par cépage, vous voyagez, que vous ayez quelques petites idées. J'espère que ça a été utile pour vous en tout cas. Et je vous dis à très bientôt sur au-château.com pour tous vos événements œnologiques. Merci beaucoup et à très bientôt.